Bonjour à tous et à toutes, donc aujourd'hui on repasse sur des chroniques. Voilà, en fait il y a pas mal de chroniques que je devais faire depuis pas mal de temps, un an. Certains qui voient quasiment 2 ans. Donc il se peut que là je suis en train d'en rattraper quelques-unes. Ça me manquait justement de faire des chroniques, justement je vous parlais de ce que j'aime en termes de lecture et tout. Et c'est vrai que c'est une de mes résolutions de 2021, de lire davantage. Et de vous justement faire des chroniques et notamment de rattraper celles que je n'ai pas faites. Donc aujourd'hui on se retrouve pour parler de Last Descendants de Matthew G. Curry aux éditions de Bayard. C'est le premier tome d'une trilogie, j'ai le tome 2 et il faudra je pense à procurer le tome 3 si je veux vraiment en tout cas terminer sur cette petite trilogie qui a l'air fort sympathique. Dans ce récit on suit Owen, qui est, comment dire, un ado pas facile, je peux comprendre, ça c'est mon point de vue, enfin moi je le décris comme ça, parce qu'en fait quelques mois plus tôt, le père d'Owen meurt en prison. Voilà, le père d'Owen était un délinquant tout simplement, il faisait des vols etc. Owen est le seul qui perçoit que son père est mort en prison de façon injuste. Donc il vit avec sa mère qui pour lui de toute façon a toujours certes aimé le père d'Owen mais qui aimait mais quand on cherche on trouve et les grands-parents maternels d'Owen font tout pour le protéger en disant non si ton père fait en prison c'est pas pour rien je crois qu'on lui a donné une certaine version à Owen je sais plus laquelle on sent que ça faisait un moment que j'ai pas lu le roman mais en effet le père d'Owen était donc un délinquant de bas étage c'était des vols des choses comme ça. Et donc Owen ne se satisfait pas de cette conclusion, entre guillemets, sur la mort de son père. Pour lui, son père a été tout simplement mort un peu sauvagement pour lui, donc il souhaite savoir ce qui s'est passé. Et donc quand Monroe, l'informaticien du lycée où se trouve Owen, lui propose d'entrer dans l'animus pour savoir ce qui est arrivé à son père, il l'accepte. Et donc Owen va aller avec son ami, son meilleur ami et ami d'enfance, Javier. Et en fait, ça va tout simplement les propulser au sein d'une guerre qui est celle des Templiers, des Assassins. Par la suite, ils vont faire la connaissance de 4 autres ados, qui sont Natalia, Grace, David et Sean. Et eux aussi vont tout simplement être embarqués dans cette guerre entre Assassins et Templiers. Et fait très intéressant pour la licence. Aucun de ces ados, ni même Monroe, ne fait partie de la confrérie des Assassins ou de l'ordre des Templiers. Où cela va l'emmener dans la quête d'un fragment d'Éden et de la vie de leurs ancêtres, ça va être tout le but de ce roman. La fin d'Assassin's Creed que je suis évidemment a encore frappé parce que je suis très fan de cette licence comme vous le savez. J'ai en tout cas beaucoup aimé celui-ci, j'ai vraiment dû lire le tome 2 pour voir s'il y a vraiment encore cette espèce de dynamique. En gros, ce qui est vraiment intéressant, c'est que c'est une dynamique qui était assez poussée, on est très vite mis au fait du ce qui est mis dans le résumé, mais on a quand même une certaine mise en place sur les motivations d'Owen vis-à-vis, comme on disait, de son père. Et au fur et à mesure, on découvre des fragments d'Éden dans le continent nord-américain, surtout, et tout ce qui est notamment l'Amérique latine, c'est-à-dire le Mexique, notamment en face au niveau de la partie mexicaine de l'Amérique latine, pour remonter jusqu'au continent nord-américain et notamment aux États-Unis. Et je crois qu'on termine à Boston, si je dis pas de bêtises, je n'ai plus de souvenir de la chronologie, je crois que c'est Boston. Mais je ne suis plus très sûre à l'instant T, parce que comme je dis, ça faisait un moment que j'ai lu le roman. Je crois qu'on est à Boston ou à New York. En tout cas, ça c'est, je vous dis, je ne l'ai plus en tête, ça m'énerve, ça me soucie de devoir rechercher. Mais je crois qu'en effet on est plus Boston, New York, et on est en pleine guerre de sécession, donc c'est ce qui est plutôt top en soi de mémoire. Et c'est ça qui est vraiment très intéressant aussi, c'est que le fait de démarrer tranquillement dans le continent mexicain etc, avec notamment l'arrivée des conquistadors, et après on continue sur la guerre de sécession qui occupe les 3/4 du roman, je tiens à le préciser. La partie mexicaine, c'est vraiment on entre en douceur dans le vif du sujet. C'est ce qui fait que c'est vraiment des paroles qui n'ont à l'heure actuelle pas été traitées dans la licence Assassin's Creed, notamment, de mémoire en tout cas. Au moment où je sais chronique, c'est de mémoire si c'est pas le cas. C'est une écriture qui était très fluide, qui est justement assez dynamique, on démarre tranquillement, mais ça, ce qui fait qu'on enchaîne rapidement les pages. Parce que les chapitres sont
ni trop long ni trop court. Donc on est vraiment dans un entre-deux qui pour moi est assez parfait dans le sens du rythme de lecture. Ce qui était compliqué, c'est qu'en effet, on incarne, enfin on suit pendant les trois quarts du roman et notamment dans la guerre de sécession, 12 points de vue différents. Donc je disais Owen et Javiel et les autres ados, ainsi que leurs ancêtres, ce qui fait qu'on a évidemment 12 points de vue plus ou moins simultané, ça peut être pas totalement vrai. Sérieusement, on est sur deux personnages, enfin, deux ados avec leurs ancêtres, deux ados avec leurs ancêtres, deux ados avec leurs ancêtres. On est plus ou moins dans cette sorte d'idée-là. Mais vu que généralement, d'un chapitre à un autre, on passe à un autre duo, si je peux dire, c'est ce qui fait que ça change assez rapidement, ce qui fait qu'on est plus ou moins en simultané, parce que certes, on a le point de vue des ancêtres, on vit ce que vivent les ancêtres, mais on ressent plus ou moins les mêmes choses que leurs descendants, à savoir, comme je disais, Owen, Javiel, Natalia, Grace, David et Sean. C'est ce qui fait qu'au début, pour ma part, j'étais un petit peu larguée. Je peux le comprendre, c'est pour ça que je me suis fait ce petit mémo entre les descendants et leurs ancêtres. J'ai même mis entre parenthèses pour les ados des descriptions physiques très simples. Par exemple, que Natalia c'est une asiatique, que Grace et David sont frères et sœurs de couleur noire et que Sean est en situation de handicap. C'est bien d'avoir. C'est justement. A toujours été un très bon point de vue de justement. Comment dire, mélanger comment dire, les origines socioculturelles, ce qui fait que c'est notre point de vue, et justement ce qui est le cas notamment de la guerre de sécession, en tout cas dans le passé, c'est que dans le passé, pour Grace et David, ils ont donc Elysia et Abraham, donc ils sont surtout père et fille. Alors je vous spoil un peu, mais bon, je m'en veux un peu, mais donc ça donne pas trop le choix. Sinon je peux pas vraiment plus expliquer mais en tout cas c'est ce qui fait bah je reviens vite fait aussi simultané, c'est ce qui fait que par moment j'étais un peu larguée, j'ai confondu les ancêtres et leurs descendants, mais donc ça c'était vraiment je pense pour la première partie. Au fil du temps on a mis à me souvenir qui t'avais enfin qui est ton lien avec qui, et c'est ce qui fait que souvent on se retrouve avec les sentiments et les sensations des jeunes, ce qui fait que au bout d'un moment, faut pas oublier qu'un tel est avec un tel en termes de parents de descendance, mais qu'un tel ressent des trucs pour un tel, mais un tel, faut oublier que c'est la descendance de machin. C'est qu'à un moment, on est un peu embrouillé au début, mais au fil du temps, je me suis un peu faite, et quand j'avais vraiment un doute sur qui était le descendant de qui, je regardais. Au début, ça peut être un peu impressionnant parce que dans la sélection de Assassin's Creed, on n'a jamais été habitué à autant de protagonistes d'un coup. Généralement, vous aviez le personnage qu'on incarne et son ancêtre, ce qui est tellement le cas jusqu'au 3. 1, 2, Brotherhood, Révélation, le 3, parce qu'on incarne Desmond Miles actuellement, et on incarne Altaïr, Ezio et Connor dans le passé, qui sont trois ancêtres de Desmond, mais chacun à leur tour, évidemment, hein, pour les trois. Mais il y a certes d'autres personnages qui cohabitaient autour des ancêtres de Desmond et de Desmond même, mais c'est-à-dire qu'on avait. On voyait par image qui était avec qui, enfin, il y a chacun, donc on peut facilement être habitué. Mais quelqu'un qui n'est pas habitué à tout ça, à tout ce flot d'informations, c'est vrai que ça fait vraiment beaucoup. Je parlais tout à l'heure du côté vraiment très socioculturel dans ce livre-là, en tout cas des origines socioculturelles. C'est important, notamment dans le passé, on est en pleine guerre de sécession. Il faut savoir que les personnes de couleur noire, comme ça pouvait être le cas des ancêtres de Grace et David, n'avaient pas les mêmes privilèges que des personnes de couleur blanche. Et il y a évidemment tout ce qui est de la ségrégation et tout, je crois qu'il y a encore un peu d'esclavagisme à l'époque. C'est ce qui fait que c'est très différent. Aujourd'hui, on se dit, bah, l'esclavage, c'est plus en France. Je crois qu'il y a... Je sais pas si l'esclavage est encore le cas dans certains pays. En ce cas, ça doit être très rare. Mais en tout cas, l'esclavagisme, je crois, existe encore aujourd'hui. C'est vraiment plus la même forme qu'à l'époque. Hein. À l'époque, ça se voyait. Maintenant, je crois que ça se fait moins. Ça se voit moins. Et c'est pas du tout le même esclavagisme qu'à l'époque, en tout cas. Mais c'est le fait de savoir également, d'avoir cette espèce de toujours avec Assassin's Creed, cette petite leçon d'histoire sur comment on vivait à l'époque, par rapport de tes origines et tout. Et c'est vrai que ça m'a encore envie davantage de pousser. La guerre de sécession, je ne m'y connais absolument pas. Je viens de regarder le résumé, ça me fait rire. Monroe réunit alors Owen et les 5 adolescents et les envoie à New York pendant la guerre de sécession. Voilà, donc j'avais raison, je disais Boston, New York, c'était New York. Mais en tout cas, je ne m'étais pas trompée sur la période. Mais c'est vrai qu'à l'époque, on a notamment Lincoln qui était président. Donc c'est ce qui fait que. Savoir qui va se retrouver, maire de New York ou je sais pas quoi, vraiment tout ce flot de rébellion, toutes sortes de choses à l'époque, c'est bien traité. Pour le reste du roman, notamment, je pense que j'avais pas, en tout cas, une grosse partie
de la fin du roman. J'ai à peu près ça, donc ouais, ça vous donne à peu près dans l'idée. On est donc dans la méta-histoire, c'est à partir du 21e siècle. Et c'est vrai que vers la fin, vu comment c'est traité, normalement on est habitué à switcher d'un groupe à un autre. Donc normalement c'est assez bon, j'espère, pour vous. Mais en tout cas, moi j'ai pas eu trop de soucis de me souvenir parce que sur le coup c'est devenu assez fluide. Parce que je me souviens davantage pour certains leur poste dans certaines sphères. Mais au fil du temps, on commence à s'y faire un peu à tout ce flot d'informations, de switcher d'un coin à l'autre. Moi, il y a des éléments qui ont été très simples à traiter pour moi, parce que je connaissais déjà l'univers Assassin's Creed avant ça. C'est vrai que quand on ne connaît pas Assassin's Creed, il y a des termes qu'on ne connaît pas, et c'est vrai que ça peut être un peu bizarre au début, mais après on s'y vit assez facilement. Mais dans l'ensemble, c'est vraiment un roman que j'ai beaucoup aimé. C'est vrai que le côté où on navigue vraiment de duo en duo, où c'est vraiment, je veux dire, ce traitement continu, avec beaucoup de personnages d'un coup, où, qu'on suit, dont on suit à travers les yeux, les ressentis, soit ancêtres ou 21e siècle. Au fil du temps, c'est vrai que ça peut s'en mêler un petit peu, c'est vrai qu'au début ça peut être un peu bizarre à suivre, mais au fil du temps, ça, quand j'ai envie de dire, c'est un peu un coup de main prod. Un prod, c'est un peu, je crois, ce que j'avais dit pour Heresy, parce que Heresy, je vous avais chroniqué l'année dernière. Mais sauf que là, en effet, c'est le fait qu'il y ait beaucoup d'un coup, au fil du temps, on s'y fait. Moi, je m'y suis faite. Mais en tout cas, c'est vraiment, pour un premier tome, on est très bien mis dans le bain. J'ai hâte de lire le tome 2 parce que j'ai un effet dans ma palle. Mais en tout cas, le tome 2 s'appelle Le tombeau du Khan, K-H-A-N. Donc on va bien voir ce que ça donne. Donc là, voilà. J'ai vraiment hâte de lire la suite. Et évidemment, je pense que je reviendrai très rapidement pour vous, j'espère, vous chroniquer le tome 2. Cette chronique est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. En tout cas, vous présenter Last Descendants de Matthew G. Kirby et son bailleur était vraiment un réel plaisir pour moi. Voilà, en tant que fan d'Assassin's Creed et tout. Mais n'hésitez pas, si vous voulez, je vous mettrai dans le petit i et en barre de description ma vidéo sur un sujet 10 livres sur la licence Assassin's Creed pour vous présenter tout le roman, enfin tout livre que j'ai. Au moins, je vous ai fait cette vidéo. J'espère que ça vous plaira. Et bah, en tout cas, moi, je vous dis donc de bonnes lectures et à une prochaine fois. In the beginning, there was the word. And when reading between the lines...